Les éléphants de la Côte d'Ivoire vont tout faire pour remporter leur troisième Coupe d'Afrique des Nations, J-6 avant le début de la Cannes. Et on va présenter aujourd'hui le pays organisateur, les Ivoiriens, qui ont une grosse équipe hein, sur le papier. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, on ne peut que penser à Djidi drogba qui a été mon joueur préféré, hein, que j'ai connu de toute ma vie en tant que supporter de l'OM. Drogba est le meilleur joueur qui ait connu l'Olympique de Marseille au 21e siècle, sous nos couleurs, hein, du moins, que ce soit Ribéry, Lucho, Mamadou Niang, Heinze, et j'en passe, aucun n'a apporté autant que Drogba sur le terrain, et aucun n'a éclaboussé autant le stade Vélodrome que lui. Il a marqué contre tout le monde, contre Liverpool, l'Inter, Newcastle, à Bernabeu, contre le PSG, Lyon, sous nos couleurs, hein, je dis bien, en une saison, plus de 35 buts. À lui tout seul, il emmène l'OM en finale de Coupe UEFA. C'était impressionnant de le voir sur la pelouse. J'ai rarement vu un attaquant aussi complet que lui. C'est le plus grand attaquant de l'histoire de Chelsea. Un joueur avec un aussi grand gabarit, qui était aussi technique, aussi agile, toujours présent dans les grands matchs. Drogba, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, qui a apporté énormément à la Côte d'Ivoire, qui a apporté aussi à l'Afrique. D'ailleurs, j'ai toujours son livre, son autobiographie. Donc voilà, je voulais lui faire quand même une petite dédicace à Drogba. Didier Drogba, la 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 la! Didier Drogba, la 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 la! Et parce que c'est le joueur qui restera à tout jamais dans ma tête et qui m'a apporté mes premiers grands souvenirs de jeunesse à 12 ans, hein. en tant que supporter de l'OM. Voilà. Donc respect à Drogba et puis bien sûr je vais le revoir en commentant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Il va être là, ça va être une figure importante. Et je souhaite tout le meilleur, tout comme à la Côte d'Ivoire. Donc, justement, on va parler des Ivoiriens, les amis. Quelle équipe type Je mettrai à la place de Gasset. D'ailleurs, super entraîneur. Hein. On sait à quel point en France, ce coach est intelligent. Il a l'expérience aussi pour bien figurer dans une canne. Et c'est un bon choix de la Côte d'Ivoire. On va faire aussi les jokers importants que les Ivoiriens peuvent utiliser au cours de la compétition, qui sont la liste de Gasset, tout simplement. Et on va regarder le groupe de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Tous ensemble. On va commencer par la liste du sélectionneur. Quels sont les grands absents Bien sûr, Zaha manque à l'appel. Alors, pour quelle raison il n'a pas été appelé Parce que pour beaucoup de personnes, il a manqué un peu de, de respect au maillot. Il voit rien. Alors, tu vas me dire, c'était un peu aussi le cas de Fofana, sauf que lui, il y avait déjà beaucoup moins d'arrogance que Zaha. C'est vrai que non seulement aussi en sélection, il y a des matchs où il ne faut rien, il faut être honnête. Là, voilà, il a manqué trop de fois de respect à la sélection. Pas de Bailly également, il n'a pas été sélectionné, cette saison il ne joue pas avec Besiktas. Alors c'est un joueur qui se blesse souvent, mais quand il est disponible en général, il figure dans le groupe. Et d'ailleurs il était titulaire hein, à la Cannes 2022 avec la Côte d'Ivoire, on s'en souvient. Il avait été d'ailleurs performant, donc c'est un choix fort hein, de Gasset. Il faut dire qu'il y a des jeunes joueurs à ce poste-là très performants en Côte d'Ivoire, on en parlera tout à l'heure. On peut aussi souligner la présence de Seri et de Gradel, les anciens, toujours présents, qui sont là pour apporter leur expérience au groupe, leur savoir vivre, mais ça ne sera pas des titulaires, hein, bien entendu. Et on peut aussi souligner la non sélection de Agbadou. Bon, c'est une question de concurrence, hein. il y avait d'autres choix à son poste. Mais c'est dommage, hein, parce qu'il fait des très bonnes performances avec Reims. Il aurait pu être appelé. Donc voilà, mais le choix fort principal, c'est Za qui est écarté. Parce qu'encore une fois, en sélection, il a manqué de respect au maillot plusieurs fois. Et puis il y a eu des matchs hein, sur le terrain où il ne foutait pas grand-chose. Donc voici l'équipe type maintenant que je mettrai en place pour la Côte d'Ivoire, la meilleure possible, hein, selon moi. On va commencer par le gardien Fofana, un gardien de Angers jeune, il a 23 ans. Il s'est révélé l'an passé. Il a quelques sélections au compteur. Donc c'est un très grand gardien de la taille. Il a encore perfectible. Et je pense que c'est le meilleur choix. Du moins, je vois pas mieux à ce poste-là comme gardien pour les éléphants. Latéral droit, il y a une concurrence entre Serge Aurier et Singo, le joueur de Monaco. Donc, Aurier, hein, c'est l'expérience. Il a 31 ans. Il est pas si vieux non plus. Attention, il est toujours là. Aurier, hein. il joue à Nottingham Forest. Il fait une bonne saison. Voilà, il joue une trentaine de matchs par an. Il n'est pas du tout non plus fini. Il a l'expérience des Coupes d'Afrique, bien sûr. Et Singo, tout jeune joueur de Monaco aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Mais je privilégie quand même Aurier au poste de latéral droit. Dans l'axe, la doublette diomande Ndika. Il y a aussi Kosonu, mais pareil, j'en parlerai tout à l'heure que j'aurais pu aligner. Alors, euh, bien sûr, Ndika, le joueur de l'AES Roma. Super joueur, hein, vraiment, très régulier en Italie. Et euh, Diomonde à ses côtés qui est lui encore plus jeune. Hein, il me semble qu'il n'a que 20 ans. Vraiment, Ousmane Diomandé, à ne pas confondre avec le Lyonnais, qui joue au Sporting Portugal, qui s'est imposé comme un titulaire hein, quasiment, et qui a quelques sélections au compteur hein, chez la Côte d'Ivoire. Mais euh, c'est un gros espoir, et il devrait être titulaire dans l'axe central. Donc vous avez vu à quel point la défense est jeune quand même. Ndika, Diomandé, Fofana, voire euh, Singo, hein, si jamais il joue côté droit titulaire. A gauche, l'habituel euh, Conan. Bon, c'est quand même une valeur sûre. Il s'est exilé en Arabie Saoudite. Après, il joue quand même euh, toutes les semaines. Et puis, euh, c'est un joueur très complet. Hein, au poste de latéral qui a 27, 28 ans. Donc, euh, oui, il fait partie allez, des 10 meilleurs Africains à ce poste-là. Au milieu de terrain, c'est là la grande force de la Côte d'Ivoire. Sangare, Fofana, Kessier. C'est du lourd. Hein, sur le papier, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain d'Afrique. Du moins, les titulaires, hein, je parle. Parce que vous allez voir que sur le banc. En cas de blessure, en cas de suspension, la Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix en tant que remplaçant au milieu de terrain, je dis bien. On peut dire qu'il n'y en a aucun qui joue dans un top club. Mais je vais m'expliquer. Déjà, Sangaré, qui joue à Nottingham Forest, vraiment, euh, j'allais dire, euh, il est capable de beaucoup mieux, d'aspirer à beaucoup mieux. Donc, il est titulaire, hein, il joue quasiment tous les matchs. On connaît sa qualité, milieu de terrain récupérateur. Kessier, Fofana, deux joueurs qui jouent en Arabie Saoudite actuellement. Tu vas me dire, ils ont plus la même intensité que dans des top championnats, c'est vrai, c'est réel. Mais on a vu quand même des grosses performances contre le Maroc en match amical il y a quelques mois. Et puis ils seront surmotivés, surtout Fofana hein, qui a une revanche à prendre. Il a été critiqué parce qu'il a refusé la sélection quelques fois, ce qui est inadmissible. Et puis est bien sûr, un top milieu de terrain africain, un des meilleurs euh, dans le continent actuellement. Et en attaque, alors je choisis Boga et Adingra sur les côtés et Aller en pointe. Aller n'est pas en forme, hein. il n'a pas marqué euh, avec Dortmund en début de saison. Il a joué une dizaine de matchs, donc oui, c'est un peu inquiétant. Boga côté gauche qui a signé à Nice, ouais, qui est titulaire, hein, qui a joué une quinzaine de matchs, qui a mis quelques buts, qui fait un début de saison plutôt bon. Le Marseillais Boga d'ailleurs né à Marseille. Et à droite Adingra, le joueur de Brighton hein, qui est retourné à Brighton cet été, qui a fait des bonnes perfs, hein. Déjà, il a marqué euh, des buts aussi importants. En Europa League, d'ailleurs, et en championnat. Adingra, top joueur, hein, qui est très jeune, 22 ans. Gros potentiel, grosse euh, marche de progression. Alors voilà pour l'équipe type. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, je vais mettre les jokers de la Côte d'Ivoire potentielle. Juste à votre gauche. Alors, en défense centrale, je mets bien sûr euh, Kosonu. Qui peut postuler à une place de titulaire. Hein, plutôt à la place de Diomandé, hein, quand même, je dirais. C'est un super défenseur, vraiment. Après, il y a la concurrence hein, en Côte d'Ivoire. Et encore, hein, Bailly n'a pas été appelé. Il y a aussi le petit Boli. Mais bon, lui, il ne sera, sera pas titulaire hein, dans l'axe central. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure hein, de Singo, le joueur de Monaco qui fait un super début de saison. Vraiment, super joueur. Mais euh, je préfère l'expérience euh, de Serge Aurier. Et en attaque, il y a du choix quand même. D'ailleurs, il a pas rigolé, un hein, gars. Hein. Il a sélectionné 10 avant-centres dans la liste, ce qui est énorme. On pourrait croire un peu qu'elle est déséquilibrée, cette liste. Alors, euh, au poste d'ailier, il y a Nicolas Pépé, qui est retourné euh, en prêt en Turquie, il me semble, hein, qui ne joue pas beaucoup, qui n'est pas en forme. Donc, évidemment, il ne peut pas être titulaire, et c'est inquiétant parce que sa carrière est sur le déclin. Hein. C'est peu le Pépé de Lille, hein. vous êtes au courant, bien sûr. Dommage pour un joueur qui était phare de la Côte d'Ivoire il y a quelques années. À gauche, Bamba ou Gradel. Mais surtout Bamba qui joue au Celta Vigo. Bon, Gradel, il a 36 ans, les amis. Hein. Je ne sais pas s'il jouera beaucoup. Et en attaque, pour suppléer l'heure ou si du moins l'heure n'est pas en forme, pour le remplacer, Konaté, les amis. Konaté qui est très en forme. Il jouait à Salzbourg. Bon, tu vas me dire, là, il joue en deuxième division autrichienne, les gars. Mais il a marqué 16 buts en 18 matchs. Donc, il est très en forme. Et je vois pas mieux que lui, hein, les amis. Hein. Les autres remplaçants, on va regarder la liste. Crasso, c'est un ailier. Il y a le petit euh, Kouame qui joue en euh, diakité. Mais bon, diakité, c'est encore euh, moins fort. Hein. Il est jeune, il n'a que 20 ans. Il joue peu à Reims, d'ailleurs. Donc non, je mettrai Konaté à la place, l'heure En cas de pépin, bien sûr. Donc la Côte d'Ivoire, c'est avant tout un 11 très compétitif. Par contre, il ne faut pas qu'il ait de blessés. Le banc n'est pas si large que ça, vraiment. À part Bamba... À part euh, Kosonu et Alessingo, c'est des joueurs qui peuvent être titulaires. Mais le reste, ce n'est pas si complet que d'autres sélections. Par contre, le 11 est phénoménal, hein, vraiment sur le papier, encore une fois. On va regarder maintenant le groupe euh, de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont le Nigeria, bien sûr. Hein, et, euh, la et la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Donc, ça va être une bataille pour la première place, en principe, avec euh, les Super Eagles. Important de finir premier. Hein, vous allez voir pourquoi lors du tableau de la phase finale. Si la Côte d'Ivoire finit premier de son groupe, il rencontre un troisième du groupe C, D ou E. Bon, le groupe C, ça peut être le groupe du Sénégal, hein, qui est très fourni. Le groupe D, le troisième ne devrait pas être très relevé, très relevé. Et le groupe E, on a un groupe aussi relevé, comme Mali, Tunisie, Afrique du Sud. Donc ça peut faire un meilleur troisième important. Dans le groupe C ou E. Et en cas de deuxième place, les Ivoiriens rencontreront le deuxième du groupe C. Donc c'est le groupe du Sénégal. On peut avoir un Côte d'Ivoire-Sénégal dès les huitièmes ou un Côte d'Ivoire-Cameroun par exemple. Ou voir un Nigeria-Sénégal, Nigeria-Cameroun, on verra bien. Même si le Sénégal reste le favori pour finir premier, bien sûr. On va finir les amis avec les forces et les doutes quant à cette sélection ivoirienne. Alors déjà une Coupe d'Afrique pour la gagner, ça ne se joue pas sur le papier. Il y a aussi le fait que les Ivoiriens sont à domicile. Ça peut être un avantage. Tu as des automatismes, les terrains, tu les connais en général. Tu as tes supporters avec toi. Mais tu as aussi une pression supplémentaire qui peut peser sur les épaules. Donc voilà, le talent ne suffit pas. Pour moi, je répète, c'est le meilleur milieu de terrain africain. Je dis bien en tant que titulaire. Caissier, Sangaré et euh... Fofana. C'est une équipe qui a beaucoup d'atouts. Pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations, du moins en 2024, parce qu'ils ont une défense solide, ils ont un jeu très vertical, ils peuvent faire mal en attaque rapide, en contre-attaque, dès la récupération du ballon, avec les ailiers comme Adingra, comme Boga, pour alimenter à l'heure. Donc, vraiment, c'est une équipe qui peut être redoutablement efficace. Après, je répète que le talent ne suffit pas pour gagner une canne ils sont assez limités en termes de choix au niveau du banc de touche. Même en attaque, hein, c'est assez limité. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans leur club ou qui ne sont pas en forme. Et on peut dire encore une fois que même dans ce milieu terrain qui est très compétitif, il n'y en a aucun qui joue dans un top club. Que la Côte d'Ivoire fait partie des favoris pour la victoire finale, la réponse est un grand oui. Et je les place dans mon top 3 des favoris. Et beaucoup de personnes pensent comme moi, bien sûr. Après, attention, je répète, le groupe n'est pas simple, notamment pour la bataille pour la première place. Et le huitième de finale potentiel peut être délicat. Même si tu finis premier, et quoi qu'il arrive, si tu finiras deuxième, parce que tu affronteras une équipe deuxième du groupe du Sénégal, où il y a le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Voilà, en tout cas, bonne chance aux Ivoiriens, le pays de Drogba, mais pas que. On fera bien sûr le match d'ouverture en direct hein, contre la Guinée-Bissau, que je commenterai sur YouTube. Le deuxième match, hein, ça sera le choc contre Nigeria, et puis ils finiront contre la Guinée équatoriale. J'ai hâte de voir cette équipe, une fois ils peuvent faire très mal. Avec leur jeu vraiment fait sur la verticalité, la récupération haute des milieux de terrain et ensuite ça peut aller très très vite vers l'avant. C'est ce qu'on a vu un petit peu contre le Maroc en hein, match amical où la Côte d'Ivoire avait dominé le match de la tête et des épaules. La défense, même si elle est un peu jeune, Jomande, Fofana, Ndika est tout jeune. Il n'a que 24 ans. Elle est talentueuse. Elle est solide. Il y a aussi des joueurs expérimentés hein, comme Serge Aurier, comme Conan, même caissier, euh, Sangaré. Bon, ils sont en pleine force de l'âge. Hein, Fofana, caissier, Sangaré, ils ont entre 26 et, euh, et 29 ans. Et puis il va falloir vraiment que Boga fasse une belle compétition. Adingra ah, également. Ça va être important le rôle des ailiers hein, pour les éléphants. Mais il y a aussi des solutions sous le banc de touche notamment Jonathan Bamba. Bien sûr, on peut s'inquiéter pour Pépé qui ne joue quasiment pas, qui n'est pas en forme et Gradel qui a 36 ans. Je me rappelle de sa frappe contre l'Algérie lors de la dernière canne qui tape la barre transversale. Oui, la Côte d'Ivoire a une revanche à prendre. La Côte d'Ivoire ne fait pas des bonnes performances depuis quelques années. Ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde au Qatar, sortis par le Cameroun dans un match aller-retour. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, certes, mais la Côte d'Ivoire était favori sur le papier. Et ne se sont pas qualifiés avec Pépé qui avait raté plein d'occasions, je me rappelle, en fin de match. Donc ça a été une déception. Et la dernière canne. La Côte d'Ivoire sortie par l'Égypte au pénalty. Bon, ça s'est joué sur un coup de dé. Il y avait une belle phase de poule avec une victoire retentissante contre l'Algérie qui avait été largement méritée. Mais au final, ça n'a pas été une réussite d'être sorti à ce niveau-là la compétition. Donc les Ivoiriens visent d'aller le plus loin possible, vraiment. Ils sont à domicile, ils doivent assurer. Ils auront une petite pression sur les épaules, je répète, certes. Mais après, ils ont beaucoup d'atouts à faire valoir. On ne gagne pas une Coupe d'Afrique en étant fort sur le papier uniquement. En étant solide derrière, bien sûr. Et en ayant une équipe compacte. Pensez-vous de la Côte d'Ivoire Est-ce qu'ils font partie des trois favoris de la compétition selon vous Écrivez-moi en commentaire votre réponse. N'hésitez pas, c'est très important pour le soutien, à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. On présentera d'autres équipes à l'avenir. Certainement le Cameroun et la RDC. Et ensuite, ce sera le début de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va commenter en live hein, sur YouTube. Je répète, je ferai quasiment tous les matchs en direct. Donc je compte sur votre présence à ce moment-là. Allez à très bientôt et prenez soin de vous.